j'ai vu tes exploits avec HB en vidéo, je me dis... Bon, les vidéos cachées que tu mets sur ton YouTube. Alors, je suis en voiture avec... Ça commence déjà bien. Je suis en voiture avec Hunter Car 68 qui est aux commandes et on va faire une montée de sa mère. Ouah. Oh la vache. Ouah. Putain. Moi, je suis arrivé dans ce virage d'en haut, mais sans frein. Oh merde. Parce qu'ils étaient glacés, j'ai freiné au frein à main. Attendez, faut que je retourne. Faut que je retourne la caméra. Tu le connais vraiment par cœur le truc. De temps en temps, je crois que c'est ma quatrième montée. Ouais, mollo. Vraiment mollo. Ah oui, c'est vraiment très court. Hein. Court, quoi, les virages. Et les... La boîte aussi est courte. La largeur de bande aussi. Ouais, là, ça va encore. C'est plus loin que ça, c'est la place. Putain, heureusement que Yuki est pas venu avec nous. Hein. Ouais, j'emmène pas les enfants parce que c'est des enfants. Ah ouais, quand je me disais que tu conduis comme un taré. Mais non, c'est rien ça. Non, va pas plus vite. Sérieusement. Oh la vache, cette tête d'épingle de bâtard. Wouhou. Tête d'épingle. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tête d'épingle. Tête d'épingle de bâtard. Dans le virage en épingle, on n'a pas une tête d'épingle. Oui, mais on appelle tête ça des d'épingle. Tête d'épingle, c'est pas arrondi. C'est bah si. La tête d'une épingle. Le chat de l'épingle. C'est arrondi. Et une épingle, ça n'a pas de chat. Ah oui, une tête d'aiguille. Oh bon, merde. Non, c'est... Bon, tu m'emmerdes. Une épingle à cheveux. Ouais, voilà, si tu veux. Ouais, je suis pris au plancher. Sérieux? Bah, quatrième, je suis pas à mon régime de couple. Ah oui. Ouais, comme ça pousse pas. Par contre, ma console, elle pousse. Ouais, ah non, freine au feu. Je veux que tu me fasses un beau freinage. Attention. Sec, oh attends, mais je me suis explosé le cou sur le sec. Ah mais monte-le au pire, hein. C'est un peu bas pour toi je trouve. Ah oh, ouais, c'est bien. Oh on est bien là. Mais ils retiennent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'armature dedans. C'est un peu dommage. C'est mou? Non mais je parle du latéraux. Oui c'est pour ça que je me colle. C'est très con en virage. Moi j'ai les baquets. Oh, c'est des baquets aussi. La prochaine j'aurai les récaros, ça ira mieux. Oh putain. Oh le coup de freinage. Eh mais ça freine bien quand même hein. Oh. C'est quoi la taille de tes disques là-dessus? 266. Oh le bruit. C'est la fenêtre. Le mec il s'est cru sur un circuit. Non, je suis 50. What? Ils ont ouvert la route. C'est plus une route, c'est un chemin de campagne le bordel. Ça va, c'est encore là. Ah, j'ai cru qu'il fallait que tu tournes là, je me suis dit non. J'aurais pu, mais non. Non, l'autre est macadamé, mais elle est moins large. Mais what the fuck, mais qu'est-ce qui branle en fait ici? Les agriculteurs. Peut-être passer en dessous, c'est une les agriculteurs. Verbe agriculté. Possesseur agriculteur. Tu connais pas? Non. Là c'est la sortie du lieu-dit. T'aurais pu rester en première. En plus c'est bien mouillé donc ça doit bien glisser. Encore? C'est pour ça que j'ai glissé pas trop. Circulation alternée. Ouais. Ouais.
j'ai la même chose, j'ai senti ça sur la 206, mais quand tu chasses du cul et que c'est violent, les. Comment ça s'appelle ? Putain, les silent blocks, mais t'as des. Le châssis qui bouge en fait, pour adapter ta course. J'ai un châssis tournant sur la 206. La montée la plus historique de ma vie. J'étais mollo. Non mais il est allé mollo. Il faut dire que bon, je suis plutôt fan de la vitesse quand c'est moi qui conduis. Sachant que on voit pas très bien, on roule vite. Mais là c'est le vide, ok. Bon, il y a des arbres. Ouais, bah, je préfère le vide. Mais dans tous les cas t'es mort. Il y a des arbres. Soit tu t'enroules autour d'un sapin, soit tu t'écrases en bas d'une falaise. Ouais, c'est ça, soit tu t'enroules autour d'un sapin, soit c'est une falaise. Bon, il y a des arbres, donc ça va, ça retient. C'est rouleau de printemps ou crêpe. Honnêtement, la montée était super, mais j'ai pas pu filmer. Pourquoi? Parce que c'était tellement violent que j'étais obligé de me retenir à ça à chaque fois. Et que l'autre main, elle était collée sur le siège pour me maintenir des virages un peu comme ça, là. Ils sont où les deux cyclistes? Ils sont là. Donc, du coup, j'ai pas pu filmer. Parce que si je prenais le risque de filmer, soit je me mangeais la vitre, soit le téléphone passait par la fenêtre. Donc j'ai préféré éviter. Mais honnêtement, putain, même la descente est violente, donc vous imaginez la montée. Déjà que la montée était violente. Là, je peux presque pas l'accélérateur. Et la descente, pardon, est violente, mais imaginez que la montée était pire. Parce qu'il faut savoir qu'un Hunter descend beaucoup moins vite qu'il ne monte. Du coup... Oh putain, de merde. Non, va moins vite par contre. Je vais pas pouvoir tenir la caméra, sinon c'est une horreur. Vous imaginez pas à quel point je grippe la caméra. Bon, du coup je vais vous laisser parce que j'ai peur que mon téléphone se fasse la malle. J'ai peur que mon téléphone se fasse la malle, donc je vais éviter de le tenir plus longtemps. La pauvre malle. La pauvre malle. Mais honnêtement, c'était fort sympathique. Allez, à tout de suite. On est perdu, mais genre totalement. Hein? On est perdu. Bonjour monsieur. Ah, c'est classe. Que pensez-vous de cette magnifique descente? Je vais flouter cette plaque. Que penses-tu de cette magnifique descente qu'on a fait là? Et montée aussi. Tu t'es amusé? Ouais, c'était très mou, très lent. Ouais, c'est clair. C'était très mou, très lent. Mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Du coup, on va rentrer. Ah, je vais, lui, tu vois, il me laisse aller à la limite. Il est content. Ouais, mais HB il a l'habitude, moi c'est la première fois que je monte avec toi. Mais je sais pas comment il était au début avec moi. Mais je crois que moi c'est venu progressivement, du coup il m'a connu. Parce que moi j'ai tout d'un coup. HB lui il a eu tout progressivement, donc bon. Et du coup Dad il suit dessus ou ça va? Hein? Dad s'il est là il suit dessus ou ça va? Je dirais que ça va. Il est pas autant violent que toi, mais ça. Presque. Bon du coup. À plus, hein, comme on dit. Au revoir tout le monde.